Bonjour à tous! Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Tortue Ninja. On va ouvrir un jouet de la gamme Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. On va ouvrir la moto de Donatello. En fait, il peut lancer des boosts. Ah, on va voir ça tout de suite. Ok, et là? Ouais. Il peut mettre. Attends, je montre. Il peut mettre les roues comme ça. Ouais, et là, il y a toute la collection. On peut assembler en une moto. Les couleurs, et là il y a un gros camion. Alors on va faire le tour de la boîte. On a ici les 4 tortues prêts à l'attaque. Comme Rémi le disait, la moto envoie des missiles. Derrière vous avez la moto de Raphaël. On a la moto de Leonardo. On a la moto, donc l'actuelle qu'on va ouvrir, celle de Donatello. Et enfin la moto de Michelangelo. Rémi, parmi les 4 tortues ninja, laquelle est ta préférée? Raphaël, Leonardo, Donatello ou Michelangelo? Après, papa, il dit sa réponse. Lui, Leonardo? C'est vrai qu'il est ultra cool. Papa, lui, il a toujours, depuis qu'il est petit, il a toujours aimé Michelangelo, le petit farceur de la bande. Et vous voyez, les amis, ici, on peut réunir les 4 motos pour faire une seule grande moto. Non, on peut pas. Comment ça, on peut pas? Parce que on peut faire qu'une moto. Oui, mais tu peux les rassembler. Ah. Et là, donc, pour continuer dans les assemblages, on peut aussi accoler la moto au super tank des tortues. Et on voit ici le reste de la collection avec Raphaël, Michelangelo, Donatello, un autre Raphaël. Vous voyez, ah, on a même, regarde, Rémi, on a April O'Neil, la copine des tortues. C'est une journaliste. Avec son sein. On a Splinter, papa il adore. C'est qui? Splinter, c'est le maître des tortues. C'est lui qui a appris. Tu l'adores? C'est lui qui a appris aux tortues toutes leurs techniques. Et c'est là. Ça, c'est les méchants. Hein. On a Ninja Origami, le lieutenant Foot, la bande des Foot, c'est la bande des méchants dans Tortue Ninja. C'est la bande de Shredder. Et là, on a quelques autres méchants. Par contre, on n'a pas des méchants iconiques de la série. Je vois pas Shredder. Qui est Shredder? C'est le méchant. Le grand méchant. Bon, Rémi, sans plus attendre, on passe à l'ouverture. La. Je vais te capturer toi. Mais mec, tu bourres pas les... Ah ça Cora, j'en ai pris 2. Oh, ça c'est mon Rémi ça. Du bien, un petit brin de nostalgie. Ah. Ça commence déjà. Mais Rémi, qu'est-ce que tu fais là? Pour voilà des gratuitement. Noni. C'est parti pour l'ouverture. On a ici tous les éléments, le canon, le missile et le personnage sur sa moto. Et voilà à quoi ça ressemble de plus près, avec des énormes roues. Alors Rémi, on va voir plus en détail le personnage. Il a des petites lunettes qu'on peut rabattre, tu as vu? Il est ultra articulé. Comme tu es là, il est ultra articulé aussi. Et donc tu m'as dit qu'il y a un accessoire pour la carapace? Ah, des espèces de jetpack. Ouais, il peut voler. Ouh. Rémi, on l'installe sur la moto? Oui. D'abord, ouais, je vois. Attends, je t'aide. Je vais t'aider.
Voilà, tu clipses les mains, tu mets les pieds. Hop. Et voilà. Où est Shredder? Yeah. Tortue Ninja, rassemblez-vous! Raphaël, tu es là, merci. Où est Michelangelo? Merci d'être venu, Michelangelo. Où est Leonardo? Il est allé manger de la pizza, il sera absent. Encore? Allez, Tortue, rassemblez-vous! Vite, monte sur ma moto, Michelangelo. On m'a dit qu'un robot attaquait la ville. T'as un problème avec le caca toi hein. Je viens attaquer la ville. Parce que je veux décrire la ville des tortues bizarres. Moto, mode automatique. Cible verrouillée. Tu crois pouvoir faire le poids face à moi? Tu ne peux rien faire face à moi. Priorité. Les amis, regarde un peu de plus près les autres Tortues Ninja. Alors ici, on a une super figurine de Raphaël. Avec ses deux armes sur son dos. Et il peut faire une acrobatie. Kawabonga! T'as entendu Rémi? Il a dit Kawabonga! En avant les gars! Là dans la même gamme, on a Michelangelo. Avec ses protèges tibia parce que la figurine est fournie avec un skateboard. On part maintenant sur deux anciennes figurines Tortue Ninja. Celles-là, c'est des vieilles figurines, vous voyez. On a ici Donatello. Avec ses deux bâtons de combat. Par contre, la figurine est abîmée, il a une main en moins. Et on part sur une autre figurine assez ancienne, c'est Michelangelo. Ah, ça c'est une figurine de très très bonne facture, très bonne qualité, vous voyez. Elle est articulée absolument de partout. Même les doigts. Et les doigts de pied. Okay. Oh, une belle marche arrière. Les tortues, montez tous, il y a de la place. On va essayer de toutes les mettre. Allez, on monte tous sur la même moto, à l'ancienne. Non, pas parce qu'il faut là. Si, je suis sûr qu'on y arrive. Regarde. Regarde, on a réussi. Vous êtes pitoyable. Les amis, entraînons-nous au stand de tir. Je vais m'exercer avec ma nouvelle moto. Mes frères tortues, vous voulez bien faire les cibles? Allez, n'ayez pas peur. T'es sûr de toi là? Vas-y Rémi, on va voir jusqu'où ça tire. Ouais, ça va loin. Tire. Prêt, feu, partez. Prêt, feu. Prêt, feu, go! Ça te fait du... Ah, mon pied brûle! Ah ah, oh, j'ai été touché! Ah non, c'est rien. Bon, Donatello, ça suffit là. Viens prendre notre place plutôt. Les frères, à l'attaque! Tous sur Donatello! Yeah. Et à ton tour maintenant. De toute façon, vous ne me toucherez jamais. C'est ce qu'on va voir. T'es prêt? Même pas peur. Arrêtez les Romains! Tirez sur nous si vous êtes des hommes! Vas-y Rémi. Tu peux appuyer? Tu veux appuyer toi? Non, c'est toi. Ok. Allez, attention! Go! Loupé, loupé! Raté, vous nous avez raté! Hé les Romains, vous êtes des Romains!
J'ai une technique pour le toucher. Les gars, c'est de la triche là. Tortue Ninja, notre devise c'est... Cabo Banga. Ah, il est pas tombé, moi j'aimerais qu'il tombe.